Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui aura pour sujet où en est l'extrême droite et comment la combattre. En effet, beaucoup d'observateurs l'été dernier prévoyaient une grande crise du Front National à la suite d'une séquence électorale qui a été plus compliquée que prévu pour le Front National, même décevante pour eux. De plus, les tensions qui ont abouti au départ de Florian Philippot et de Marion Maréchal-Le Pen devaient en quelque sorte confirmer cette hypothèse d'une grande crise pour la formation d'extrême droite. Pourtant, un an après, les sondages indiquent que la formation d'extrême droite dispose toujours d'une base importante dans la population, autour de 20%, et le Rassemblement National, puisque c'est comme ça maintenant qu'il faut le nommer, semble ainsi avoir résisté à l'effondrement qu'on lui prédisait. De façon générale, le phénomène de la fachosphère, le phénomène culturel de la fachosphère, reste très puissant et continue d'influencer de nombreux internautes à travers des sites comme Égalité Réconciliation, F de Souche ou encore La Gauche m'a tué, ainsi que sur YouTube, Facebook et les réseaux sociaux en général. Cela prouve ainsi que l'extrême droite n'a pas abandonné la bataille culturelle dans laquelle, enfin, qu'elle mène depuis plusieurs décennies maintenant, avec récemment aussi l'ouverture de bastions socio-identitaires ou encore d'une école de sciences politiques dirigée par Marion Maréchal-Le Pen. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Marine Tondelier, élue d'opposition Europe Écologie Les Verts à Hénin-Beaumont, donc une mairie dirigée par le Front National, Hugo Bernalicis, député insoumis du Nord, et enfin Guillermo Fernandez, diplômé de l'Université Complutense de Madrid, qui réalise actuellement une thèse sur la construction des identités politiques, notamment sur Podemos et le Front National de Marine Le Pen. Alors, comme on l'a vu, Marine Le Pen est sortie affaiblie de la séquence électorale et n'apparaît plus vraiment comme le leader naturel du parti, tandis que les forces réactionnaires semblent prospérer et avoir le vent en poupe dans de nombreux pays d'Europe. Alors, comment expliquez-vous cette situation et cet affaiblissement à l'échelle nationale? Est-il, selon vous, durable? On va peut-être commencer par Hugo. Merci déjà pour l'invitation à participer à ce débat qui est, à mon sens, extrêmement important parce qu'il s'agit de savoir comment on fait pour faire reculer l'extrême droite. Bon. Sur le constat, est-ce qu'il y a une crise du Front National? Oui, comme tous les ans, j'ai envie de dire, des crises du Front National. L'année dernière, c'était l'embrouille avec papa, l'année d'avant aussi, d'ailleurs, je crois. Donc, des crises, il y en a souvent au Front National. On peut dire, pour le coup, que... on est dans un moment où des éléments conjoncturels font que le Front National est un peu affaibli. Et moi, je dis ça parce que j'ai regardé un peu les résultats qu'on a eus aux élections partielles, aux différentes élections partielles qu'on a eues depuis 2017, depuis le score de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, depuis sa qualification au deuxième tour et sa défaite. Et on voit qu'il y a une moins forte mobilisation de l'électorat du Front National que ce qu'on pouvait avoir sur la séquence 2012-2017. Ou sur la séquence 2012-2017, quel que soit le scrutin, même partiel ou peu importe, vous aviez toujours les mêmes gens qui venaient voter Front National, avec un fort niveau de mobilisation de l'électorat. Quel que soit l'enjeu, peu importe. En dépit de ce qu'on pouvait pronostiquer, des fois, en affaiblissement de l'électorat, c'est-à-dire que l'électorat du Front National s'est moins vite affaibli que les autres sur des scrutins de plus faible intensité. Ok, c'est avec une base... qui venait tout le temps revoter. Et on voit que cette base-là, elle est en train de s'effriter et de s'étioler sur les différentes partielles. Alors, de là, en tirer des conclusions, je vais pas mettre ma main à couper là-dessus. Mais il est clair que la défaite de Marine Le Pen, au deuxième tour de cette présidentielle, elle a sonné dans l'esprit de beaucoup de gens comme étant un aveu d'échec et d'échec définitif. Le Front National ne gouvernera, ne dirigera jamais le pays. Ça, c'est une vérité. Donc, je ne pense pas que cette crise, néanmoins, soit durable parce que le Front National a quand même réussi, avec l'apport de Florian Philippot, à privilégier, on va dire, la terminologie du FN qu'on appellerait du FN du Nord. C'est-à-dire qu'il va calquer
son projet politique sur les propositions du courant progressiste de gauche classique, traditionnel. Et on y ajoute le vernis, il faut virer tous les migrants, il faut être plus dur sur la sécurité, etc. Mais sinon, vous avez des éléments de langage, tout au moins, si, je ne vais pas aller jusqu'aux propositions, mais au moins des éléments de langage qui sont très similaires avec ceux qu'on peut développer à la France insoumise. Et ça a d'ailleurs été c'est toujours un petit peu problématique sur les plateaux télé, puisque vous avez un type du Front National qui vous raconte que Macron, c'est le président des riches, que les grands accaparent le capital, qui prennent aux petits, qu'il faut partager les richesses, qu'il y en a marre du CAC 40. Après, il dit qu'il faut chasser les migrants, donc ça s'arrange, on arrive à quand même ne pas être d'accord sur les plateaux télé. Mais je veux dire, il y a toujours ce moment un peu gênant où ils ont compris que les catégories populaires aspiraient à ça, à cet autre partage des richesses, à cette différenciation entre eux et nous, c'est-à-dire les puissants, les plus riches qui accaparent, etc. Donc, moi, je ne dirais pas que la crise du Front National, elle est durable. Et en tout cas, il ne faut surtout pas tabler là-dessus et qu'il faut continuer à développer les propositions politiques qui répondent aux aspirations de la masse, des gens, quoi. Voilà. Et il faut se servir de ce moment politique particulier où ils sont un peu affaiblis, à mon sens, pour que, en tout cas, nous, c'est notre enjeu, un de nos objectifs politiques, pour que, par exemple, aux élections européennes, le Front National passe en troisième, voire en quatrième position, ce qui serait un signal très intéressant lancé pour la suite des événements. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Marine Tondelier, vous avez le même constat ? Eh bien, je vais aussi commencer par vous remercier. C'est toujours un plaisir de faire autre chose qu'Hélène Beaumont. Alors souvent, c'est quand même pour parler du FN, donc ça m'y ramène. Et puis, merci d'avoir bien précisé, élu d'opposition, parce que des fois, on me présente comme élu d'Hélène Beaumont. Et alors, en plus, comme je m'appelle Marine, ça crée un petit malaise que je préfère dissiper tout de suite. Aller un peu à l'extérieur et en parler, ça fait aussi partie de ma psychanalyse permanente depuis maintenant 3-4 ans. Parce qu'en fait, c'est un parti qui a beaucoup d'emprise sur les gens, c'est une guerre des nerfs permanente, en fait. Et s'extraire un peu, des fois, de ce contexte-là pour venir en parler avec des gens qui le vivent autrement, d'autres endroits, donne énormément d'énergie, en réalité, et beaucoup de sérénité. Parce qu'on se rend compte que, voilà, des fois, ça fait du bien de sortir de cette ville, d'aller analyser un peu ce qui se passe ailleurs et de voir tout ça. Alors, sur la question de l'affaiblissement du FN, j'ai envie de vous dire, tout est relatif. Parce que même affaibli, il reste quand même beaucoup plus fort que beaucoup d'autres partis qui, d'ailleurs, sont tous en crise. Aujourd'hui, il y a peut-être une crise du FN, mais il y a une crise d'à peu près toutes les formations politiques, que ce soit d'ailleurs des partis ou des mouvements, parce que la politique est devenue quelque chose d'un peu plus compliqué que ça ne l'était il y a quelques années, et peut-être de la faute d'ailleurs de ceux qui l'ont fait pendant ce laps de temps et qui en ont fait de manière un peu spéciale. Je vais vous livrer mon expérience en 2013 encore, donc quelques mois avant que le Front National gagne cette ville. J'entendais, comme Hugo vient de dire pour la France, ils gagneront jamais. Et puis quand on s'est rendu compte que quand même ils allaient gagner, et que c'était même certain, d'ailleurs ils ont gagné au premier tour, imaginez la gifle, j'entendais, dont notamment, pour ne pas le citer, Daniel Percheron, président de région, qui disait « Non mais vous en faites pas, faut sacrifier cette ville, ça va être comme un vaccin. » C'est-à-dire que les gens ils vont voter FN, ils l'auront voulu, ils vont l'avoir, et puis le FN au pouvoir va faire ce que fait le FN au pouvoir, et puis du coup, autour, les gens vont se rendre compte, ils vont regretter, ça durera 5 ans et ça calmera les autres dans le reste de la région. Et résultat, en 2015, même pas un an après, au départemental, ils ont gagné les 5 cantons autour, aux législatives 6 circonscriptions, et au régional, ils sont quand même pas passés loin du tout de remporter l'une des plus grandes régions, la région de France, du pays. Donc moi, cette histoire de vaccin et tout ça, j'y crois plus, pour le Front National et pour la politique. Et juste, faut être clair sur un constat, c'est que le populisme, ça marche. Le populisme, ça marche. Et donc, ça donne quelque chose de très frustrant. C'est que, je prends mon cas personnel, vous pouvez avoir 31 ans, faire un mandat qui, je le précise, est bénévole. Quand on est élu d'opposition dans une ville, c'est bénévole. Mais alors, les gens ont l'impression que, comme vous êtes élu, de toute manière, vous avez plein de fric de votre mandat. Et en plus, bien évidemment, vous trafiquez. D'ailleurs, moi, il y a un mec un jour qui m'a dit sur le marché, les élus, c'est des voleurs, machin. Je dis, mais enfin, monsieur, il me dit, non, mais vous avez raison, moi, je serai à votre place, je serai pareil. Hein. C'est-à-dire que non seulement c'est intégré, mais en plus, c'est normal, quoi. Donc, vous subissez ça, vous subissez le tous pourri, que vous faites de la politique bien ou mal, pour l'intérêt général ou à la botte des lobbies, depuis 40 ans ou depuis 3 ans, en fait, c'est le même tarif. Je pense que, Hugo, tu dois vivre ça aussi. Et il y a un truc très frustrant, c'est qu'il y a une seule formation qui échappe à ça, c'est le Front National. Alors, eux, ils peuvent faire des emplois fictifs à tous les étages, être mis en examen pour toute leur campagne depuis 2011, je crois. Toutes leurs campagnes font l'objet d'affaires en justice.
faire les micro-parties, les emprunts Poutine. Et alors là, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et c'est la presse qui invente... C'est le complot. Alors moi, ça me fait plaisir. Parce que à chaque fois que nous, en justice, on a gagné un procès contre le Front National, parce qu'on a attaqué diverses choses qu'il faisait, l'arrêté anti-mendicité, la crèche de Noël dans la mairie avec des santons géants, là... Et à chaque fois qu'on a gagné, c'était les juges gauchistes. Et donc tu te dis, à un moment, c'est dingue. D'ailleurs, tu gagnes au Conseil d'État. Au bout de 3 fois, mon collègue communiste gagne au Conseil d'État pour la crèche de Noël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la mettent sur le marché de Noël, donc elle est plus loin de la mairie. Et ils organisent d'ailleurs un concours de crèche de Noël dans la ville pour que chacun fasse une chez soi. D'ailleurs, on s'en fout que les gens fassent une crèche de Noël chez eux, vu que le problème, c'était qu'elle soit dans la mairie. Et donc, c'est la revanche, et c'est dans le gendarme municipal et tout ça. Donc vous voyez, ce truc-là, on le vit, et quand ça se passe au niveau national, et que les gens disent, mais quand même, ce qui est dingue, c'est que ça marche, et ben ouais, les mecs, ça marche. Mais quand c'est dans votre ville sur 20 000 habitants, c'est encore plus stupéfiant, parce que vous vous rendez compte des mécanismes à l'œuvre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un truc qui me perturbe un petit peu dans la lutte contre le Front National de manière générale en France, c'est qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'ils se sont pris un petit taquet, souvent c'est parce qu'ils s'étaient pris les pieds dans le tapis eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ça montre notre impuissance, nous, à les faire reculer. Ils reculent parce qu'ils s'embrouillent entre eux, il y en a un qui se barre. Ils reculent parce qu'ils ont voulu mettre les mains dans le pot de confiture, ils se sont pris la main dans le sac et ils ont été un peu trop gourmands et ça se voit. Ils se prennent un taquet parce que Marine Le Pen, je ne sais pas ce qu'elle a pris avant son débat, mais elle est complètement, en fait, elle est elle-même, alors que d'habitude elle se retient. Et donc la France, stupéfaite, dit « Ah bon, c'est ça en fait, Marine Le Pen, c'est un peu space quand même, on ne va pas la mettre présidente ». Sauf que moi, l'attitude qu'elle avait, de toute façon, elle a été briefée par ses proches d'Edin Beaumont, c'est eux qui ont préparé le débat. Et c'est ce que je vis au Conseil municipal tout le temps, sans que ça choque personne. Mais là, vous voyez à la télé, là, les Français disent quand même « c'est bizarre ». Mais encore une fois, c'était elle, c'est d'elle-même. Elle s'est pris les pieds elle-même dans le tapis, et donc ils reculent. C'est pas nous qui les avons mis en échec, nous collectivement, c'est-à-dire tout le reste du pays. Et donc, voilà, juste, donc je serais un peu moins affirmatif que Hugo sur le fait de dire qu'ils gagneront jamais la France. Franchement, on n'en sait rien. Et l'élection de 2017 a montré que même 3 mois avant, tu peux jamais prévoir ce qui va se passer, et que ça va être de pire en pire dans cette centrifugeuse. Et ne jamais oublier les deux forces du FN liées au fait que ce soit un parti populiste. La première, c'est que c'est un parti vautour qui se sert de tout ce qui va mal, et il y a quand même beaucoup de choses qui vont mal en ce moment. Et la deuxième, c'est que c'est un parti caméléon qui est capable, tu l'as dit aussi, de raconter des discours complètement différents selon son électorat, parce qu'en fait, il s'adapte à la couleur locale. Donc nous, à Hénin Beaumont, c'est le permis de construire de la mosquée, le FN, parti caméléon, qui va expliquer qu'ils sont les héritiers de Jean Jaurès. Et d'ailleurs, un ouvrier issu de l'immigration va sincèrement penser, et peut-être d'ailleurs aura-t-il raison, que si Marine Le Pen est élue, ça ira mieux pour lui. Sauf que la mamie, limite fasciste, raciste, de Nice, avec son caniche, qui trouve qu'elle paye trop d'impôts pour les immigrés, elle va aussi penser que ça ira mieux pour elle avec Marine Le Pen. C'est vraiment la boule à facettes qui renvoie à chacun son rayon de lumière. Et en fait, ça, c'est quand même très fort. Et tant qu'ils continueront à savoir le faire, ils auront encore un bel avenir devant eux. Alors Guillermo, toi qui as travaillé sur cet aspect du discours du Front National, tu veux sûrement rebondir là-dessus ? Oui, bon, d'abord, merci pour avoir organisé cette université formidable et aussi pour m'avoir invité. Je m'excuse parce que sûrement je ferai des fautes en français, des erreurs, mais bon, je vais essayer de faire mon mieux. Donc, est-ce que le Front National est affaibli ? Oui, je suis d'accord, il semble affaibli, notamment Marine Le Pen, elle le semble. Alors, pourquoi ? Je pense qu'il y a une raison qu'on pourrait appeler ou nommer structurelle concernant à la gestion des sentiments, des affects et des espoirs dans la vie politique. Parce que oui, quand depuis 2013, vous avez pensé sérieusement que vous pourriez arriver en tête, que vous êtes le premier parti de France, et donc qu'au moins vous pourriez arriver, oui, en tête au premier tour de présidentiel. Quand ça ne se passe pas, c'est normal que ça la provoque une dynamique de déception. Et ça se voit aussi ailleurs. Par exemple, je peux vous donner le cas de Podemos en 2016. Une fois que Podemos n'a pas réussi ni à gagner ni à faire le sorpasso au Parti Socialiste, et cela a entraîné une dynamique de déception. Non, les gens ont commencé à n'y croire plus. Donc, de ce point de vue, c'est quelque chose de, on dirait, de structurel dans la vie politique. Mais après, il y a une raison particulière, concrète, qui a un rapport avec la figure de Marine Le Pen, comme vous l'avez dit.
effectivement, elle est sortie très touchée de cette séance électorale. Les gens, le militant du Front National, ça s'est vu aussi à Brachel pendant la rentrée politique de l'année dernière. Les gens, les militants, avouaient en public qu'ils étaient déçus par Marine Le Pen, qu'ils commençaient à ne plus la voir comme une leader politique cohérente et puissante. Donc, ce sont deux raisons, pour, à mon avis, importantes. Par exemple, il y a aussi un autre événement qui s'est passé au mois de mai qui montre la faiblesse du Front National du point de vue international, du point de vue des extrêmes droites internationales et notamment européennes. À Nice, ils ont organisé une rencontre avec le groupe parlementaire de l'ENL, Europe des Nations Liberté, et c'était prévu la présence de Bilders, de Salvini et des cadres du FPO. Et finalement, ils sont pas allés. Et Salvini, il a donné une excuse, il a envoyé une vidéo. Mais ça montre que le FN n'est plus le modèle dans le parti de l'extrême droite européen. Et si Bilders n'y va pas, c'est parce qu'il sait que maintenant, le grand chef de l'extrême droite européen, c'est Salvini. Et qu'en France, en réalité, la future chef, et ça tout le monde le sait, c'est Marion Maréchal Le Pen. Donc il peut se permettre de ne pas y aller parce que Marine Le Pen n'est plus à la mode. Et puis troisièmement, il y a aussi, je pense, et Hugo l'a dit, c'est vrai que le FN, le volet social du FN, il est compliqué de le combattre, mais je pense que dans la situation actuelle, le Front National est divisé dans deux stratégies complètement différentes. Les stratégies, on va dire, de Philippot, philippotiste qui visait à créer un pôle hégémonique à partir du souverainisme intégral. Et ça c'est un peu la marque aussi de Marine Le Pen. Mais Philippot n'est plus là. Et donc, d'un certain point de vue, elle a créé son charisme politique à partir de ces fronts nationaux, sociaux, souverainistes du nord de la France, mais elle ne compte plus avec son idéologue. Et d'autre part, il y a un front national puissant, que c'est celui de Marion Maréchal Le Pen, le front national qu'on a appelé national conservateur, non, qui normalement va prendre de plus en plus de pouvoir interne. Et donc Marine Le Pen va à un moment donné devoir et appuyer une stratégie à laquelle elle ne croit pas. Donc je pense que de ce point de vue, elle va être gênée ou ça va la faiblir un peu plus. Parce que finalement, comment elle va pouvoir continuer à défendre le Front National, les stratégies souverainistes, du souverainisme intégral, sans Philippot et en avant, un contre, Marion, et même Nicolas Bay, Sébastien Chenu, tous ces gens-là qui entourent Marine Le Pen, ne croient pas trop dans cette stratégie. Ils ne sont pas convaincus. Donc, de ce point de vue, je vois que la situation de Marine Le Pen est assez délicate. Mais alors, justement, par rapport à ça, par rapport à cette reconstitution de ce champ-là, le scénario d'une union des droites est vraiment appelé par de nombreuses franges, enfin, par les franges de la droite réactionnaire. Et justement, Marion Maréchal, dont tu as parlé, apparaît un peu comme une figure de proue, une clé de voûte de cette reconstitution, même si bon, elle est aussi un peu concurrencée sur ça par Laurent Wauquiez, mais enfin quand même dans une moindre mesure. Mais alors, un tel scénario est-il donc d'union des droites est-il selon vous le plus inquiétant dans cette perspective? Peut-être Marine d'abord. Désolée. Tondelier. J'ai beaucoup de
J'ai beaucoup de mal à me projeter sur cette question parce que j'habite dans un territoire où il n'y a pas de droite. Donc c'est la seule bonne nouvelle d'ailleurs de ce territoire. Mais je crois qu'en 2011, au cantonal, l'UMP à l'époque, où en plus Sarkozy était président, n'avait même pas fait 5%. C'est-à-dire que c'est une ville où les gens en fait, étaient vraiment profondément de gauche, et d'ailleurs je pense le sont encore, et déception allant puisque je... Minute où je défends ma ville, j'aime pas qu'on dise la ville de facho, machin truc, parce que c'est pas une ville de facho, c'est une ville de gens fâchés qui ont tout donné pour les mines dans un moment où c'était très paternaliste, mais ça faisait aussi de très belles écoles, y compris des écoles de musique et des logements et tout ça, qu'on est passé ensuite au paternalisme communiste, puis au paternalisme socialiste, et que quand votre papa socialiste vole 12 millions d'euros et termine devant le tribunal pour 18 chefs d'inculpation, ce qui est quand même un petit record personnel, forcément, il y a une déception, et il ne faut pas s'étonner quand les seuls élus d'opposition de l'époque étaient Front National et dénonçaient ça en mode chevalier blanc. Voilà, c'est pas une victoire qui s'est faite sur le racisme, c'est une victoire qui s'est faite sur la corruption. Et d'ailleurs, dans les premiers articles de La Voix du Nord qui disaient attention, on vous prévient, il y a quand même la Chambre régionale des comptes ou la brigade financière qui enquête dans les services de la ville. Moi, je m'en rappelle très bien parce que j'étais à Sciences Po Lille à l'époque, ça m'avait énormément interpellée. Tous les journaux avaient disparu de la ville, achetés par des employés municipaux sur ordre du maire. C'était à l'époque où il n'y avait pas trop Internet, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook. Et donc, comment les habitants sont courants de cette affaire? C'est parce que Marine Le Pen photocopie l'édition qu'elle avait pu se procurer ailleurs et la met dans toutes les boîtes aux lettres et la distribue sur le marché. C'est-à-dire que Marine Le Pen, c'était la transparence, la fiabilité, voilà. Donc on vient d'autre part. Et donc l'électorat a basculé de manière diamétralement opposée d'un vote plutôt PC ou socialisme, mais bien bien de gauche, pas le socialisme Manuel Valls, à l'extrême droite, dont ils n'ont pas conscience que ce soit de l'extrême droite d'ailleurs, forcément. Et puis, aujourd'hui, dans les bureaux de vote, quand on parlait de l'effet vaccination là, qui n'a pas marché du tout, les anciennes cités minières où le vote PC était le plus massif sont aujourd'hui à 80% Front National. On a des bureaux de vote à 80% Front National. D'ailleurs, voilà, quand on me demande comment ça va se passer 2020, je dis il y a des bureaux de vote aujourd'hui à 80% Front National. Même quand Marine Le Pen a fait un débat de merde et que toute la France rigole. Donc du coup, ces gens-là, je pense pas qu'ils... Je ne vois pas comment ils terminent derrière une alliance Wauquiez-Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, si vous voulez, ça n'a pas de sens. Eux, l'avortement, ils s'en foutent. Ils sont pas sur ces sujets-là. D'ailleurs, ce sont eux-mêmes souvent des enfants d'immigrés. Alors, ce qui n'empêche pas la fameuse théorie du le dernier arrivé ferme la porte. Moi, j'étais stupéfaite quand il y a eu ce débat il y a un moment sur ma commune sans migrants. Vous savez, cette motion que le Front National a présentée partout en France, là où vous étiez élus. Bon, la différence, c'est que chez nous, elle a été adoptée à une très, très large majorité. Et j'étais stupéfaite d'entendre Christopher Zurek, qui est l'un des très, très proches du maire, l'un des principaux piliers de l'équipe municipale, qui est à peu près mon âge. Christopher Zurek, avec un S, un C, un Z, un autre C, et plein de K après, donc bien polonais, où je me dis, le mec, ça va le faire réagir quand même. Et il prend le micro pour expliquer que lui, ses grands-parents sont venus en France pour travailler, mais que là, les migrants aujourd'hui, ils viennent pour profiter des aides, donc que c'est pas pareil. Et puis le mec à côté, Bruno Bild, que vous connaissez peut-être maintenant qu'il est député, qui explique que quand on est un homme et que son pays est en guerre, on reste et on se bat. Alors là, ça m'a bien fait marrer, parce que j'imagine que s'il y avait la guerre, ce serait peut-être pas les... j'imagine un peu la scène. Je sais pas, mais j'imagine la scène et franchement, j'ai de légers doutes. Mais vous voyez, tout ça mis bout à bout, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des thèmes où ça vrille. Et je vais pas dire que c'est là-dessus qu'ils ont plus de soutien populaire, mais en tout cas, la population ne dit rien. Sauf que moi, je me suis fait beaucoup épingler pour des actions de solidarité aux migrants et notamment... à Hénin, il n'y a pas énormément de migrants, parce que vous imaginez bien que quand vous n'avez pas de papier, vous n'allez pas vous planquer dans une ville FN. Mais on n'est pas très loin de Calais, de Grande-Synthe. Et donc, une fois, j'étais allée faire des repas, vous savez, avec des assos, on fait des repas pour les migrants, etc. Et je rentre et je vois Steve Briouat a partagé votre photo. Donc là, je me dis, c'est mal barré. Et donc, il avait écrit « Marine Tondelier est la honte de notre ville ». Alors, un maire qui dit ça de quelqu'un, en vrai, pour quelqu'un, c'est très violent. Enfin, pour les gens qui lisent, c'est très violent. Et il dit elle pratique la préférence étrangère systématique. Et donc là, bon, 3 semaines d'insultes facho, mais qui venaient pas, je pense, des gens des Nains, qui venaient des gens du FN qui suivaient leur chef. Et puis, quelques mois plus tard, c'était les élections, il y a l'AFP qui fait un portrait de moi et qui me dit « le FN, dès que vous dites mon nom, il raccroche ». Donc, du coup, il voulait pas... Il voulait même pas commenter. Donc elle dit, je suis embêtée parce qu'un portrait, il faut l'équilibrer, et donc on peut pas mettre
que des gens qui vous aiment bien. Je dis, bah, allez dans la rue, il y a quand même 80% des gens qui votent FN, il y a bien un qui ne sera pas content. Et en fait, les phrases, c'était, non, mais c'est vrai qu'elle n'est pas trop d'accord avec le maire, nous, on est plutôt pour le maire, mais c'est vrai que quand même, elle est courageuse. Ou il disait, ça a l'air quand même d'être une bonne petite. Et ça, c'est intéressant. C'est qu'ils disent, moi, les migrants, j'aime pas. Mais j'avoue quand même, c'est courageux d'aller les aider et tout. C'est bien quand même. Et donc, vous voyez, c'est pas, enfin, il n'y a pas de révolte de marche des migrants à Hénin Beaumont pour soutenir le sujet, mais quand même, c'est pas un sujet non plus fondamental. Et donc, l'union des droites, peut-être qu'elle se fera, j'en sais rien. Marion Maréchal Le Pen, je vais vous dire, elle a encore un petit bout de chemin à faire avant de prendre la place de sa tante, qui, je pense, est pas tout à fait prête à partir. Et il n'y a pas qu'elle. Regardez les gens qui les entourent. Les cadres du Front National aujourd'hui doivent tout à Marine Le Pen. Et il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier sur ce parti. Moi, j'ai été collaboratrice parlementaire. Je sais ce que c'est le moment où vous ne l'êtes plus parce que vous êtes au chômage, parce que les législatives sont passées, et vous devez rechercher du boulot. Il se trouve que j'en ai trouvé assez facilement, en faisant le truc normal d'un Français normal. Tu fais ton CV, tu l'envoies, tu as tes entretiens d'embauche, etc. J'avais un passé politique qui était, on va dire, acceptable. Et donc les gens me disent, bah, t'as été collaboratrice, en même temps c'est pas un métier qu'on fait toute sa vie, t'as fait telles études, t'as telles compétences, ok, banco. Vous êtes collaborateur Front National. Votre CV, c'est Front National, vous avez été collaborateur de Marine Le Pen, vous avez bossé à Nanterre au siège, vous avez fait je sais pas quoi d'ailleurs. C'est un peu plus compliqué quand même. Moi, je me mets à la place des gens qui ont 30 ans et leur CV, c'est FN, Rassemblement National, Parlement Européen, emploi fictif de je ne sais plus qui. C'est un peu plus dur de trouver du boulot. Et donc, il faut se dire que tous ces gens-là se tiennent aussi par le fric, parce que c'est leur vie et qu'ils sont obligés de se tenir chaud, puisque une fois que vous êtes en dehors de ce cocon quelque part, bah bon courage. C'est pour ça que beaucoup d'assistants parlementaires anciens ou de gens qui sont partis aux patriotes viennent vous parler en me disant « je ne peux pas t'en dire plus parce que j'ai peur pour... » Voilà. Enfin, ils se tiennent vraiment par ça. Et donc, la petite révolution de palais, le putsch, machin truc à l'interne, j'y crois pas pour ces raisons-là. Tout le monde a beaucoup trop à perdre. Et il faut se dire que cette machine qui est devenue une pompe à fric, il faut le dire, le jour où la planche à billets ne tournera plus, le jour où les campagnes, ce sera plus les mêmes prestataires et tout ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup à perdre. Et il vaut mieux que collectivement, en serrant les coudes, ils perdent 10% de voix, plutôt qu'ils perdent le contrôle de cette machine à billets. Hugo Bernalicis, est-ce que vous êtes davantage inquiet par cette hypothèse d'une union des droites ? Non, je ne suis pas inquiet, parce qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Mais plus sérieusement, moi, je ne pense pas qu'il y aura d'union des droites en tant que telle. Ça ne se fera pas comme ça, ce n'est pas comme ça que ça opère, y compris dans ces milieux-là. Je crois par ailleurs qu'il y aura fondamentalement une recomposition au sein de la droite, très clairement, et que Emmanuel Macron y participe activement. Il a un programme, il applique un programme et une méthode bien à droite, de droite. Je veux dire, si j'étais chez LR, je serais emmerdé, quoi. À part dire, ouais... Je serais emmerdé que par ça, d'ailleurs. Non, pas que par ça, mais je serais emmerdé parce que le mec, il fait ce que Sarkozy avait essayé de faire, ce que Hollande a essayé de poursuivre, et il le fait avec beaucoup de zèle et en allant plus loin que tous les autres. Enfin voilà, Gérard Collomb, c'est quand même la pointe avancée de la droite aujourd'hui, quoi. Et donc, la droite traditionnelle est vouée être dans la surenchère à l'Assemblée. Et pas que à l'Assemblée, d'ailleurs. En général, Wauquiez, il est l'archétype de ça. Donc à la fin, ce qui va se passer, c'est que les gens préférant l'original à la copie, le FN va se maintenir grosso modo, la droite va mourir en tant que telle, la droite telle qu'on la connaît, les Républicains, Macron va prendre la place de la droite traditionnelle, et il y a des gens qui vont se barrer au Rassemblement National, c'est tout. Voilà ce qui va se passer, mais il n'y aura pas de grands meetings, de réunification de deux droites irréconciliables, ou je ne sais pas quoi. Ou... C'est plutôt, à mon avis, à bas bruit que la recomposition va se faire. Enfin, ça va peut-être être rapide et impressionnant, mais en tout cas, il n'y aura pas un meeting de réunification des droites. Ça, c'est pour moi, c'est une certitude. Après, est-ce que Marion Maréchal Le Pen peut être celle qui soit à la manœuvre de tout ça ? J'ai beaucoup de mal, parce que, y compris, y a une difficulté pour le Front National, c'est que Marion Maréchal Le Pen, ou Marion Maréchal, c'est ça maintenant ? Je ne sais plus, bref. Elle n'est plus Le Pen, ouais. Marion Maréchal RN, on va dire ça comme ça, elle est tenante d'une ligne qui n'a rien d'une ligne sociale telle que le FN du Nord peut la tenir. Or, c'est ça qui a fait que le Front National a pu dépasser un certain plafond de verre.
et atteindre des catégories populaires, notamment dans les Hauts-de-France, qui sont une grosse partie de son électorat. Donc ils peuvent essayer de faire du « et en même temps » comme Macron, mais à mon avis, il y a une petite contradiction qui ne pourra pas être résolue. C'est soit l'union de la droite avec la droite dure et du coup on se coupe d'une partie de l'électorat populaire, et donc ça ne marche pas quand même. Ou alors on continue dans cette voie-là, mais on attend, il n'y aura pas de recomposition en tant que telle, il y aura par contre, enfin il n'y aura pas d'union en tant que telle, mais il y aura une recomposition de différents pôles entre les libéraux, en gros Macron, libéraux la droite, le Rassemblement National et la France Insoumise. Et c'est plutôt vers ça, vers lequel je pense on s'avance. Juste pour répondre un petit peu, pour ajouter à ce que disait Marine, Sur le vaccin, ben le truc, c'est qu'un vaccin, normalement, pour qu'il fonctionne, il faut inoculer la maladie affaiblie. Pas en pleine vigueur. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on est malade soi-même. Donc ça, c'est pour ça que le vaccin, à mon avis, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on ne fait pas reculer le FN? Moi, j'ai quand même l'impression, peut-être que je fantasme un peu trop, mais j'ai quand même l'impression que la campagne qu'on a menée, la dernière campagne présidentielle qu'on a menée, on a réussi à faire reculer le Front National dans un certain nombre de communes, nous, la France Insoumise, je veux dire, par notre campagne, récupérer une partie de l'électorat qui avait basculé au Front National ou qui était dans l'abstention durable. Par endroit, on l'a contenu. Donc, je pense que ça aurait pu être bien pire, dit autrement. Donc j'ai l'impression qu'on fait quand même un peu reculer le Front National. Je pense que ce sera le point suivant sur comment on fait, comment on reconquiert l'électorat en question et comment on fait reculer le Front National. Je vais pas tout dévoiler tout de suite, mais voilà, je pense qu'on a une part de responsabilité dans tout ça. Et quand tu dis qu'ils ont une stratégie vautour qui se sert de tout ce qui va pas, je comprends ce que tu veux dire par là, mais à un moment donné, s'il y a des choses qui vont pas, faut bien que le politique s'en saisisse, quoi. Si on s'en saisit pas, c'est justement ceux qui font les vautours de plein de démagogie, pas forcément de populisme, mais même si le Front National a adopté une stratégie populiste avec impulsée par Florent Philippot, mais il faut s'en emparer de ces sujets-là. C'est pas possible de les laisser comme ça, en disant que c'est des non-sujets, etc. Je dévoile un peu ce que je veux dire pour la suite. Mais c'est clair que, à mon avis, il y a de la recomposition dans l'air. Le fait qu'il passe au Rassemblement National, c'était d'ailleurs une proposition de Florian Philippot à la base, le fait de changer de nom, etc., d'insuffler une nouvelle stratégie. Ils ont analysé, comme Macron l'a analysé, que le moment politique, il est plus à essayer de faire des mouvements ouverts, qui voient large, à renouveler un peu les étiquettes, les slogans, et avoir des vraies stratégies populistes. Voilà, par une certaine mesure, Macron a une vraie stratégie populiste aussi, je suis désolé. Donc, il voit que c'est ça qui fonctionne, et c'est pour ça que ça me fait dire qu'à la fin, vous aurez, a priori, si les choses continuent comme ça, trois pôles au sein de la société française, le pôle des vrais progressistes, on va dire ça comme ça, que représente la France insoumise, issue de la tradition de la gauche historique. Vous aurez les libéraux qui représentent un peu la droite historique et puis l'extrême droite avec le Rassemblement National. Guillermo, tu veux peut-être rebondir là-dessus ? Oui, bien sûr. Les stratégies de l'union des droites, elle est fondée sur une hypothèse que je trouve un petit peu optimiste. C'est-à-dire, j'ai eu l'opportunité de parler avec Philippe Olivier, le beau-frère de Marine Le Pen, et Nicolas Bay. Des amis sympas. Oui, des amis très sympas. Et donc, il te raconte, mais très ouvertement, que toute son stratégie se base sur l'idée que la droite va exploser, que la droite républicaine ne va plus exister, qu'elle va subir qu'elle va subir le même processus que le Parti socialiste. Et là, je pense que cette hypothèse est trop optimiste, au moins à court terme. À mi-terme, je peux pas m'exprimer, mais à court terme, je la vois pas. Je pense que la droite va résister plus ou moins, et donc que cette stratégie ne va pas trop marcher, non, de ce point de vue.
En plus, il y a une autre chose qui m'étonne dans la façon de raisonner de l'extrême droite française. C'est qu'ils font trop de confiance à la démographie. C'est-à-dire, quand eux, ils parlent de ça, c'est comme le vieux marxiste avec l'économie. Ils pensent que la démographie détermine les sphères politiques. Et donc, ils font confiance à ça et ils pensent que la démographie va nous amener au pouvoir dans une décennie. Parce que, blablabla, le flux migratoire, blablabla. Et donc, la droite ne pourra plus tenir. Là, j'y crois pas, franchement. Mais... Toutefois, c'est vrai qu'une union de droite au niveau local, ou plutôt des accords locaux dans les élections municipales de 2019, je pense que ça peut arriver. Et surtout parce que tous les partis sont intéressés à garder le pouvoir dans les petites mairies. Donc là, oui, peut-être de petits accords. Je pense qu'on est tous d'accord que les républicains, pour le moment, ne semblent pas être d'accord avec une alliance générale avec le Front National. Mais oui, localement peut-être. Et puis le FN. Il est possible qu'il arrive à faire une petite coalition de l'extrême droite élargie, c'est-à-dire avec Nicolas Dupont-Aignan ou le parti de Asselineau et des autres. Pas avec Florian Philippot parce qu'ils ont un très mauvais rapport maintenant. Mais peut-être pour les municipales et aussi bien pour les Européens. Il est possible, je pense qu'il est très probable qu'il y ait une coalition d'extrême droite élargie. Pour finir, je pense que l'hypothèse de l'union des droites est assez faible. Elle est très